Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans la petite fabrique de photographie, j'ai changé un peu le, la mise en place, il y a des gens qui s'étaient plaints, qui avaient trop de lumière, qui passaient par la fenêtre, vous en foutez, moi aussi. Bienvenue, on va parler de photographie aujourd'hui encore, c'est déjà le neuvième épisode de la petite fabrique de photographie. La première fois que j'avais fait cette série d'ateliers en direct, j'en avais fait 10. La deuxième fois, j'en avais fait, je crois, 6. Là, je suis parti pour euh, aller 200. Je ne m'arrêterai pas tant que j'aurai pas fait tous les photographes que j'aime. Et il y en a un paquet. Je suis Gennaro Bardi. J'espère que vous m'entendez bien. Le micro est bon. Ouais, c'est bon cette fois-ci. Je suis Gennaro Bardi. Je suis photographe professionnel depuis 12 ans. J'ai longtemps travaillé pour des agences de voyage, pour des magazines de voyage. Euh, 65 pays au compteur <laughs> à faire de la photographie. Et pendant longtemps, sans vraiment partager ça, à part dans des voyages photos. j'ai fait ça pendant pas mal de temps. Je continue à le faire à New York, à Chicago. Je fais des ateliers aussi à, à Paris, à Marseille, à Lyon, à Londres. Euh, J'ai écrit quatre livres photos. Je vous fais un peu le CV rapidement. Il y a des gens, il y a pas mal de monde, les amis. Euh, je vous préviens, euh, il va peut-être y avoir du monde un peu plus, au moins en replay. Plein, plein d'abonnés sur YouTube qui sont arrivés cette semaine, mais genre beaucoup. Il y a une vidéo qui a, qui a, qui a vraiment bien fonctionné. Ça me rend hyper heureux parce qu'il parce qu y a plein de monde qui découvre la chaîne, qui découvre les vidéos et c'est sympa. Euh, la petite fabrique de photographie, ce sont des ateliers en direct, si vous êtes là pour la première fois, où on parle de photographie. Il y a maintenant, on va dire, trois parties. D'abord, on parle d'un photographe qui m'inspire, moi personnellement, et je vous partage des citations ou des commentaires, des analyses, euh, mais souvent des citations et des enseignements de ces photographes. Aujourd'hui, on va parler de Bruce Gilden. Deuxième partie, un conseil sur la pratique de la photographie. Ça peut être la photographie de rue. Ça peut être du développement, comme c'était le cas euh, ces, ces derniers ateliers. Euh, ça peut être euh, des livres photos, ça peut être plein de choses. Hein, il y a plein plein de choses. Euh, ensuite, on, on échange, questions-réponses, et on termine par une petite lecture de portfolio, de compte Instagram, ce que vous voulez. Est-ce que vous avez du son J'espère que vous avez du son, les amis. Moi j'ai du son. Salut Priscille, salut Michel. Michel, tu n'as pas de son moi je, moi, je vois du son sur, mon... sur ma console. Oh, merde. Attends. On va voir ça. Si, moi, le, le, le micro est branché, Michel. Les autres, dites à Michel que c'est... Euh, je ne peux pas, malheureusement, prendre le temps de lui écrire. Euh, si vous m'entendez, dites, dites à Michel que, que c'est son réglage à lui. Ok, super. Merci, euh, Nicolas. Euh, Qu'est-ce que je suis en train de dire donc voilà un petit peu comment ça se passe, la petite fabrique de photographie des ateliers d'une heure. On essaie de, de, de tenir ça en une heure, toutes les semaines, tous les mercredis à 20h. Et c'est surtout, euh, on va dire, ce sont des habitués, ce sont des gens qui font les programmes de formation, ce sont des gens qui. Euh, aussi certains qui découvrent la chaîne. Salut Antoine Ménard sur YouTube. Alors, c'est diffusé sur Facebook. Historiquement, et maintenant sur YouTube, parce qu'il y a la chaîne YouTube maintenant qui, euh, qui se développe pas mal. Donc, si vous êtes sur YouTube, faites un petit coucou, vous n'êtes encore pas très nombreux. Salut Jérôme, salut. Euh, J'ai dit bonjour à tout le monde, salut Philippe. Ouais. Hein, donc, beaucoup des Si vous arrivez là, même en replay, n'hésitez hein, pas à partager cet atelier ou partager les vidéos YouTube. Parce qu'en fait, de, ces, de, ces, de cette petite table de photographie, je fais des vidéos d'ailleurs C'est peut-être pour ça qu'il y a de moins en moins de monde, parce que les gens préfèrent avoir la vidéo courte que son enregistrement qui, qui prend du temps. L'avantage du direct, c'est que ça permet d'échanger. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez réagir. Euh, c'est sympathique. Donc, déjà, à minima, mettez un petit like pour dire aux copains que vous, vous regardez ça. C'est quand même sympa et puis ça fait connaître un petit peu. Ou un petit partage sur des groupes de photographes, c'est sympa aussi. Euh, sans plus de transition, nous allons euh, commencer aujourd'hui avec un photographe que je trouve assez extraordinaire, que j'aime énormément, mais qui est, euh, on va dire, controversé pour sa pratique de la photographie de rue, notamment. Salut Gabi, sur YouTube. Et Jérôme, j'ai dit bonjour aussi. Euh, photographe controversé, Bruce Gilden. Ah, C'est difficile de faire plus controversé en photographie de rue. Euh, c est, c est, c est... Alors non pas parce que, enfin, il a, il a rien fait d'illégal. Euh, alors j'ai pas forcément prévu de, de, de faire le, le cadre réglementaire. Je sais pas si ça prendra feu. Ou je pense pas a priori. Est, on n'est pas beaucoup à regarder. Ces, enfin, vous n'êtes pas beaucoup à regarder ces ateliers en direct. Euh, voilà. Mais, mais donc je, je pense pas qu'il y ait de polémique par rapport à. Un boss -guiden. pour ceux qui le connaissent, vous allez comprendre. Enfin, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, pardon, vous allez comprendre pourquoi est-ce que, est que ça. Ce sont des sujets qui parfois euh, amènent beaucoup de commentaires sur Internet, sur Twitter, sur YouTube. Voilà, donc euh, moi, mon objectif, ce n'est pas de rentrer dans les débats réglementaires de ce qu'on a le droit ou dont ce qu'on n'a pas le droit de faire. Moi, c'est de vous montrer un photographe que j'aime beaucoup, de vous montrer sa photographie, de la commenter, de partager ses enseignements à lui. Et euh, après, j'évoquerai la, la, la manière. Euh, controversé qu'il a de, de prendre des photos. On va en parler évidemment. Pour ceux qui le connaissent. Excusez-moi, j'ai mon fils. C'est tourné à la maison. J'ai mon fils qui est à côté, qui est en train de. Ah. C'est parti. On y va, les amis. Allez, c'est parti. Hein, Bruce Guild. Je prépare mes trucs et j'arrive. Comment est-ce que euh... Excusez-moi, j'ai des petites vidéos à, que je vais vous montrer, que je veux, je veux voir si c'est la bonne et au bon endroit. Ouais, super. Ah, c'est ça. Alors, je fais tout tout seul. Hein, je vous préviens, pour ceux qui arrivent là la première fois, hein, on se prend un petit verre d'eau, on y va. On, on, on va parler de aujourd'hui Bruce C'est parti. Alors ça passe spécialement. Enfin, je vais vous présenter les citations, mais je vais, je vais commencer par vous parler de Bruce Gilden et vous montrer une vidéo justement sur sa pratique euh, de la photographie de rue. En tout cas, c'est la pratique qu'il a fait connaître. Salut euh, Nadine sur euh, sur YouTube. Je vais commencer puis je reviendrai sur les commentaires. Je pourrai y réagir euh, soit au fur et à mesure dans les transitions, mais euh, probablement euh, à l'issue de cette première partie sur Bruce Gilden. C'est parti, Bruce Gilden, en quatre citations. Le photographe de rue, Bruce Gilden, est connu pour son approche unique et controversée de la photographie. Sa pratique consiste à s'approcher très près de ses sujets, souvent sans leur permission, et à capturer des images intimes et expressives de leur visage. Cette approche a suscité de nombreuses critiques de la part de ceux qui estiment que Bruce Gilden dépasse les limites de la vie privée ou manque d'éthique dans la manière qu'il a de montrer des personnes qu'il photographie. Je souhaite aujourd'hui vous proposer de regarder les photographies de Bruce Gilden pour ce qu'elles sont des images fortes, intimes, étonnantes et tout à fait originales. Pour moi, Bruce Gilden est un grand maître de la photographie qui sait reconnaître ce qui fait une photo exceptionnelle. Et comment retranscrire sa personnalité dans la pratique de son art. Les photos de rue et les portraits de Bruce Gillen sont pour moi des manières originales de montrer des personnages étonnants. Bruce Gillen utilise souvent une technique appelée le flash bounce, où il utilise un flash déporté pour prendre des photos de personnes dans des situations inattendues et extrêmement près, sans prévenir ce qui peut être considéré par certains comme une invasion de la vie privée. Je vais vous montrer tout de suite. Tenez. Je vais vous montrer tout de suite un extrait d'un documentaire où vous allez voir Bozlidan en action. Hein vous allez voir cette technique de, de prise de vue. Alors, pour avoir utilisé moi-même cette technique à Paris et à New York, je peux vous garantir que c'est un excellent moyen d'obtenir des photos étonnantes et fortes. Cette pratique peut tout à fait être adoptée avec empathie pour les personnes croisées, sans le côté un petit peu bulldog de Bruce Willden qu'il reconnaît volontiers. Ah, attendez. Je vais repasser ici. Dans une interview, Joel Meyerowitz parle du style Rentre dedans, adopté par Bruce Gilden en photographie de rue. Et Joel Meyerowitz se met visiblement en colère, d'après le journaliste. Il dit ainsi Bruce Gilden est une brute. Je méprise son travail, je méprise l'attitude, c'est une brute agressive et toutes les photos se ressemblent parce qu'il n'a qu'une seule idée. Je vais t'humilier. Je suis désolé, mais non. Donc, Joel n'est pas content, pas content du tout, du tout. Et c'est probablement une des rares circonstances où je suis en parfait désaccord avec Joël Meyerowitz. Bruce Gilden se défend en disant que ces photos sont des instantanées de vérité qui montrent les gens tels qu'ils sont vraiment. Selon lui, ces photos reflètent la réalité crue et brute de la vie dans les rues et sont destinées à éveiller les émotions et les réactions des spectateurs. Bruce Gilden affirme également qu'il respecte les personnes qui photographient, qu'il ne les utilise jamais à des fins commerciales sans leur permission. Malgré ses défenses, la pratique de Bruce Gilden divise les opinions des amateurs et des professionnels. Certains admirent son approche unique et expressive, et j'en fais partie, tandis que d'autres la trouvent irrespectueuse et intrusive. Quelle que soit votre opinion sur Gilden et sa pratique, il est indéniable qu'il a créé un style de photographie de rue unique, provoquant et reconnaissable entre tous. Pour moi, personnellement, Bruce Gilden est un photographe merveilleux qui sait créer des images puissantes, du fait de cette proximité qu'il crée. Je lui trouve beaucoup d'empathie dans ses images, parce que c'est ce qui est le plus important pour moi. Même si je dois reconnaître que sa personnalité peut, être, peut paraître brutale. Il ne s'embarrasse d'aucun état d'âme, et même si je ne procède pas ainsi quand je pratique la photographie de la même manière. Je respecte sa démarche et je l'admire même parfois. Je vais partager avec vous quatre citations de Bruce Gilden en vous montrant quelques-unes des photos qui, euh, qui sont euh, représentatives de son travail. Première citation de Bruce Gilden. « La seule manière de faire de bonnes photos est de sortir de sa zone de confort. » Excusez-moi, c'est pour vous montrer les photos en même temps. Je suis là, ok. Je fais ça, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ce conseil des Bros Gilden implique de s'aventurer dans de nouvelles situations et de nouveaux endroits. Cela peut être difficile et inconfortable, mais c'est souvent dans ces moments que l'on peut capturer des images. Les images les plus intéressantes et les plus originales. Quand on reste dans sa zone de confort, on prend le risque de se contenter de photos banales et peu inspirantes. Pour vraiment se démarquer et créer des œuvres uniques, il faut être prêt à prendre des risques. Cela, cette citation résume bien l'esprit de la photographie de Ruth Bruce Gilden, qui peut être excitante, imprévisible. Il faut être prêt à réagir rapidement et être capable de capturer les moments qui sont uniques et qui se présentent à vous, et aller au-delà de son petit confort en se mettant au service d'une meilleure photo. Et se mettre au service d'une meilleure photo, ça veut souvent dire s'approcher, ce qui amènera à tester les limites, les vôtres de limites et celles de vos sujets. Deuxième citation de Bruce Gilden. Photographiez qui vous êtes Ce conseil est une invitation à photographier le monde de manière authentique et personnelle. Selon Bruce Gilden, chaque photographe a sa propre vision du monde et c'est cette vision qui est influencée par ses expériences, ses émotions, ses opinions. Bruce Gilden parle librement de sa personnalité et comment une partie de sa photographie est en réaction à son histoire et à un père violent. Il n'a pas peur d'explorer sa sensibilité sous toutes ses facettes. En suivant ce conseil, photographiez qui vous êtes vous êtes invité à utiliser votre propre perspective pour capturer des moments uniques que vous rencontrez dans la rue. Vous êtes encouragé à chercher votre propre style et une approche pour montrer le monde tel que vous le voyez. Ce conseil est également une invitation à explorer vos propres émotions en tant que photographe. Vous êtes invité à exprimer vos sentiments et vos opinions dans vos photos. Enfin, ce conseil est une invitation à être authentique, ne pas essayer de copier d'autres photographes. Vous êtes encouragé à montrer le monde de manière unique et personnelle. Bruce Gilden sait que le photographe fait partie de sa photo, et c'est en se connaissant mieux que l'on peut trouver des photos remarquables. En photographie de rue, trouver une photo qui permette de bien retranscrire une ambiance et de transmettre des émotions est quelque chose de très difficile, rare. Mais Bruce Gilden a su en capturer une quantité étonnante. Photographiez qui vous êtes. Troisième citation de Bruce Gilden. La photographie de rue est une affaire de courage. Il faut avoir le courage de s'approcher des gens, de les regarder dans les yeux, de les photographier sans leur permission. Bosgilden dit lui-même qu'il est un bulldog dans les rues de New York, qui ne s'embarrasse pas quand il rencontre une personne qui a réagi mal à sa pratique de la photographie. Personnellement, quand je pratique le flash à 1m50 en face, sans demander la permission, c'est la plus grosse montée d'adrénaline que j'ai connue dans la photographie. C'est un exercice redoutable pour explorer de nouveaux territoires. Et c'est aussi un des exercices que je propose lors de mes ateliers à Paris, à Londres. Et au mois de novembre dernier, pour la première fois, deux photographes ont pris leur courage à deux mains et sont allés faire des photos au flash, à un mètre. Je propose différents exercices et c'est un des exercices que je propose. Et il n'avait jamais été choisi avec près de 80 personnes, ou peut-être même une centaine de personnes maintenant qui, sont, qui ont participé à ces ateliers à Paris. Et je peux vous dire que tout s'est bien passé de leur côté et qu'ils ont ramené quelques images étonnantes. Je sais que peu de monde trouvera le courage de suivre cette voie parce que c'est une pratique extrême. Mais si vous trouvez ce courage, je vous assure que vous vivrez une sacrée expérience. Si vous choisissez d'y aller, je vous invite à considérer les personnes que vous photographiez, à toujours procéder avec empathie en expliquant votre démarche et en gardant le sourire. Quatrième citation de Bruce Gilden. J'aime les gens que je photographie. La photographie de rue est une affaire de respect. Il faut respecter les gens que l'on photographie, respecter leur vie privée et leur dignité. Alors je sais que ça peut paraître étonnant d'entendre Bruce Gilden dire ça, et pourtant. Vous pouvez penser ce que vous voulez du style en photographie de rue de Bruce Gilden. Mais il me semble impossible de ne pas reconnaître son talent pour les portraits qui montrent des personnages, des vies, des histoires, parfois de la souffrance, juste avec un regard, un visage pris au bon moment. Les portraits que je vous montre ici sont des portraits posés. Bruce Gilden explique qu'il passe souvent de longs moments, plusieurs heures avec les personnes dont il propose un portrait. Il écoute leur histoire et propose ensuite de leur tirer le portrait. La qualité d'un portrait dépend de la qualité de la relation que l'on peut établir avec ses sujets. Et Bruce Gillen montre dans ses portraits qu'il est respectueux des gens et de leur dignité. Est-ce que Bruce Gilden a voulu procéder ainsi en réaction à la manière plus brutale dont sa carrière s'est lancée Bruce Gilden a-t-il voulu montrer plus d'humanité Est-il plus qu'une boule de nerf qui flash prête à mordre pour une bonne photo Si effectivement on photographie qui on est, tout porte à croire que Bruce Gilden est beaucoup plus qu'un bulldog de la photographie de lui, qui est doté d'une grande sensibilité même si elle peut parfois s'exprimer de manière radicale. Ouais, les amis, c'était Bruce Gilden. C'est un petit peu décousu hein, parce que je, je, je passe d'un écran à l'autre, d'une vidéo à l'autre, et, et je fais toutes ces transitions tout seul. J'espère que ça vous a intéressé, peut-être vous le, le connaissiez-vous. Euh, N'hésitez pas à réagir à ce que, ce que vous pensez du photographe, ce que vous pensez de sa pratique. Enfin, voilà, sans, sans rentrer dans la polémique, je ne vais pas vous pousser à la polémique, hein, mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, moi c'est vraiment un photographe qui m'inspire beaucoup et je réalise maintenant que je voulais vous montrer aussi des photos que je fais quand je pratique cette, le, le flash à 1m50 en face, sans demander la permission, et je ne les ai pas préparées, donc ouais, je ne peux pas vous les montrer. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous montrer euh, des photos à moi. Salut, Juve2020 sur Facebook. Je crois que c'est la première fois euh, que l'on te voit dans la petite fabrique de photographie. Soit le ou la bienvenue. Et bonsoir Nadine, non, je ne sais plus Nadine si je t'avais vu sur YouTube. Bonsoir Yadine, Nadine, pardon, bienvenue. C'était Bruce Gilden. Je n'ai pas les stats de combien vous êtes en train de regarder ces, euh, ces petites fabriques de photographie, mais euh, on va voir. Enfin, C'était assez euh, consistant jusqu'à ce que je, je passe un, un horaire plus récent euh, les deux dernières semaines. Ou la dernière semaine, je ne sais plus, je crois les deux dernières semaines. Donc on va voir. J'espère que je n'ai pas perdu trop de monde en route. On verra. J'en fais peu de promotions aussi. Hein, donc c'est aussi possible qu'il y ait peu de gens qui soient au courant. Il faudrait peut-être que je pousse un petit peu plus. Après, c'est aussi l'occasion d'échanger entre vous. Pour la troisième partie, après le conseil que l'on va voir dans cette deuxième partie, n'hésitez pas à partager votre compte Instagram, votre site portfolio si vous voulez que je le commente et que je qu'on regarde ensemble euh, sur la fin de, cette, de cet atelier. Je regarde un petit peu l'horaire pour voir où j'en suis. Ah Oui d'accord. J'ai ouais, fait un peu plus long que ce que je pensais. Il y avait des choses à dire sur Brosgilden, mais. Euh... Euh... Alors. Si vous n'avez pas de questions, si vous n'avez pas de choses de, de réaction, je vais enchaîner avec la deuxième partie. Et excusez-moi, il faut que je regarde ce que je vais vous montrer. C'est toujours intéressant, merci, merci à toi, Christian, pour ton commentaire. Portrait ras la glotte de Bruce. Et oui, mais est-ce que la photo est bonne C'est-à-dire. Alors, les clins de Lio, je pense que c'est Lionel qui participe au programme de formation L'Étincelle. Et j'ai pu avoir des commentaires sur des portraits avec des, euh, des cadrages qui sont très, qui sont très serrés. Ben bah, oui, mais toute la difficulté d'analyser les photos, c'est que. On, on prend des raisons sur, de, sur, de, sur le plan formel mais il euh, y a quelque chose de... le plus important c'est une question d'équilibre et est-ce que la photo fonctionne Quelles sont les caractéristiques de la photo qui fait qu'elle fonctionne Et c'est beaucoup moins souvent sur des éléments formels ils sont importants mais ils ne sont pas suffisants donc euh, c'est un commentaire que j'ai que pu avoir sur des portraits dans le, dans le programme l'étincelle bah parce que c'était d'abord un portrait qui fonctionnait pas hyper bien et en plus bah, c'était un cadrage assez compliqué quoi. donc euh, voilà il n'y a aucune vérité dans les commentaires que je peux faire donc euh, merci Lionel c'est bah, comme euh, la dernière fois où vous m'avez dit ah bah oui mais là il est de dos bah oui mais est-ce que ça fonctionne est-ce que la photo fonctionne donc euh... ouais, je crois que tu as raté le début aussi euh, Patricia, sois la bienvenue C'est pas que une, une, une matière d'exception. C'est euh, toute la difficulté d'analyser les photos de, des autres et d'essayer de leur donner des clés. Euh, voilà, Bruce Gilden, faire à la glotte parce que la photo fonctionne, parce que la scène est incroyable, parce que le personnage est incroyable, et parce que c'est une manière radicale de proposer un, de proposer un portrait. Ce n'est pas que glotte. c'est aussi un moment incroyable avec une larme à l'œil et avec le flash et avec... Euh, enfin voilà, ce sont des photos que tu ne verras jamais ailleurs, tu ne verras jamais des portraits comme ça. Et sur l'expo, je crois, qui avait été faite sur ces portraits, euh, ils étaient imprimés, je crois, 3 mètres de haut ou des trucs, enfin, c'était incroyable, tu étais vraiment dans le personnage. Donc voilà, il si y a aussi le contexte, dans le, là, vous regardez ça sur YouTube ou sur votre téléphone. Voilà, donc euh, ce n'est pas qu'une affaire d'exception, c'est une affaire aussi de, de savoir re reconnaître, après, t'aimes ou t'aimes pas la photographie de Rose mais savoir reconnaître que tu sais instantanément que c'est une photo forte. Et ce n'est pas le fait que ce soit cadré à la glotte ou pas qui en fait que c'est une bonne photo. C'est d'abord la scène, le personnage. Et est-ce que, une... est que, est que la photo dit quelque chose Et ça, c'est beaucoup d'éléments qui sont, en tout cas en portrait, beaucoup plus sur. Euh, l'expression, les, les micro-détails. Est-ce que c'est expressif Est-ce que ça te dit quelque chose Tu regardes indi individuellement, ce ne sont pas des portraits. Aucune banalité dans les portraits. Donc, euh... donc oui, il fait le choix d'être de, 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 extrêmement prêt, flashé. Euh, voilà. Donc, voilà Ce sont des cadrages euh, qu'on appelle euh, hein, ultra close-up au cinéma, ou hein, des, des plans très serrés. Donc voilà c'est pas parce que vous faites des portraits cadrés à la glotte que le portrait est moins bon c'est parce que la scène est moins bonne après moi j'ai eu ce, ce tort de d'apporter un commentaire en disant bah voilà si tu fais un plan très serré et que la photo est peu expressive bah ça fait bizarre quoi parce que t'as que ça en fait sur ta photo t'as que que l'expression du visage donc euh, c'est plus difficile de faire un plan très serré. Bosgilden te montre que ce n'est pas une exception, c'est qu'il exécute très bien euh, cette difficulté. Voilà. pour te répondre, Bionel. Je ne sais pas, les portraits de Bosgilden... Ah, ben, ça, regardez les portraits de Bosgilden, c'est euh, un choc. Et, euh, et quand tu regardes, Nadine, la, la manière euh, sur, sur des documentaires où tu trouves des choses sur YouTube... La manière dont il produit ses photos, dont, dont il crée ses photos, voilà, c'est. Moi, euh... ouais, je, 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 je vois une empathie incroyable. Et euh... Alors, ce sont des personnages étonnants, mais moi, je, je, je trouve beaucoup d'humanité dans ces photographies. Et c'est passionnant à, à voir comment est-ce qu'il les produit, mais simplement à regarder ces photos. C'est un, un vrai choc visuel. Mais oui, c'est du rentre-dedans. Tu as raison, Christian. Peux tu en repasser un ou deux, s'il te plaît Alors les portraits. Ah ben bah ouais, mais je suis passé sur la vidéo d'après là. Alors attends. Allons-y, profitons qu'on soit en direct. Euh, Donc, euh, donc voilà, ce sont des plans très serrés. Il n'y a que le visage. Mais euh, je veux dire, c'est incroyable. Quoi. Moi, c'est incroyable. Et donc, ce pas que l'expression du visage, c'est le personnage, c'est dont elle est coiffée, dont elle est maquillée, dont, elle est, dont la lumière arrive sur elle. Euh, voilà, c'est. Cette lumière est brutale d'une certaine manière aussi. Donc, euh... Mais euh... est-ce que c'est une belle photo Est-ce que c'est une photo réussie Tu aimes ou tu aimes pas, mais moi je... oui, je crois que c'est une photo réussie. Quoi. Regarde, regarde, ce... regarde ce portrait d'enfant. Je ne sais pas si... Ouais, je pense qu'il pleurait. Pourquoi est-ce qu'il pleurait Alors, Je ne sais plus, je ne suis, plus... suis pas allé voir spécifiquement l'histoire de... Cette photo l'enfant, mais voilà, c'est totalement accessoire que ce soit cadré à la glotte. Donc c'est un plan très serré. C'est une caractéristique que je suis amené à commenter sur une photo. Mais si vous faites des plans très serrés, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Ça veut dire que si vous le faites, comme vous n'avez que le visage, surtout là en vertical. En plus, le ras-la-glotte, si vous faites des horizontales, bah, ça fait super bizarre. en plus les, les, là en vertical, ça fonctionne mieux quand même. Et donc, vous n'avez que le visage. Donc, si vous n'avez pas quelque chose dans l'expression du visage qui vous raconte, qui vous transmet une émotion, bah, ça devient une photo. Pourquoi est-ce que je regarde cette personne, quoi Et individuellement, à chaque fois, tu peux être sûr qu'il n'en a pas fait qu'une seule, hein, de, 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 chaque, de chacun de ces personnages. Voilà, regarde ses enfants, quoi. Sur les enfants de fermiers, je crois. Il a fait toute une série sur les enfants de fermiers. Voilà, donc il n'y a pas que des rats à la glotte. voilà Lionel et je vais passer à la suite c'est pas des gueules cassées mais ils ont tous une gueule bah oui complètement mais il, il, il explique très bien hein, il, il va chercher quelque chose d'original un style une gueule hein, même quand il prenait les gens au hasard là euh, la plupart des portraits là que je vous montre il, c'est dans la rue qu'il va les rencontrer, et il va passer des, des, des temps longs avec eux. Notamment en, en Angleterre, il a fait tout, toute une série de ce, ce type de portraits en Angleterre. Donc il euh, donc y a quand même quelque chose d'aléatoire dans, dans la manière. Mais euh, évidemment, il va, ça se voir hein, de toute façon. Hein. Il va chercher des personnes. Euh... Bon, ça, c'est un truc. Quand vous faites du flash à un mètre, ou, quand vous, ou, ou sans demander la permission, ou... et même quand vous faites de la photo de rue, moi, c'est une constante. Hein. C'est euh, les personnes qui, qui me font a priori le plus peur sont les plus gentils. Quand j'ai peur d'aller faire la photo, flash ou pas flash, je vais voir la personne, je lui demande je peux faire un portrait s'il vous plaît. Et euh, plus la personne me fait peur a priori, euh, un look euh, vraiment étonnant, un mec euh, baraque, je ne vais pas vous faire une description, mais euh, genre un truc, je wow, J'ose pas y aller, quoi. Et bien, à chaque fois, c'est les plus gentils. Et euh, ils sont là, on passe un moment, je leur montre le portrait, euh, je leur envoie la photo. Euh, c'est des agneaux, quoi. Donc, euh, bah, je... prenez pas de risque. Hein. <laughs> Mais bon, moi, c'est un, un vrai truc. Est... On, on est souvent surpris de... des personnes qu'on rencontre quand on, quand on commence à aller demander la permission. Le hasard entretient en ligne de compte, alors dans les portraits de Roswell, complètement, hein, y compris dans ses portraits. Nous Passons à la, à, à la suite. Je vous ai parlé d'un style assez radical sur Bruce Gilden, et on peut dire, en tout cas, dans sa photographie de rue qu'il a développé un style. Et vous allez voir, aujourd'hui, on va parler de style en photographie en photographie de rue, mais en photographie en général. Hein Alors, je eh ben, je suis plus du tout, bah, je suis plus prêt maintenant. Merci, Lionel. <laughs> je vais repré repréparer la vidéo. Normalement, c'est là. Alors, euh, c'est parti. Trouver son style en photographie. Je me reprends un petit verre d'eau. Il fait une chaleur, vous n'imaginez pas. Bon. Je coupe le ventilo. Ah, je crois que vous le voyez derrière le ventilo. Je le coupe parce que ça fait trop de bruit dans le micro. Alors, sur, sur des. Ces ateliers, euh, on va dire, euh, hebdomadaire je, je, je me permets de, de garder le ventilo, mais là, pour, comme j'enregistre les vidéos, bah en même temps, j'ai besoin d'une qualité sonore, euh, pas parfaite, mais le, la meilleure possible. Trouver son style en photographie. Qu'est-ce qui fait que certains photographes ont un style Vous voyez une photo et vous savez que c'est ce ou cette photographe qui a pris la photo. Ce n'est certainement pas parce qu'ils ont utilisé un pré-réglage ou une technique particulière. Nous allons voir aujourd'hui que c'est en développant une photographie personnelle, au sens où c'est une photographie qui retranscrit votre personnalité, que l'on commencera à vous parler de, de style, de votre style. En réalité, je crois que le style, on ne doit pas forcément le définir pour soi-même. On peut essayer, mais je ne crois pas que ce soit nécessaire. Je crois qu'il vaut mieux laisser les autres parler de nos photos. Je vais vous prendre un exemple Joël Meyerowitz, hein, dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure avec Bruce Gillen. Prenons l'exemple de Joël Meyerowitz, l'un des plus grands photographes de l'histoire de la photographie, une légende vivante dont les images sont reconnaissables parce qu'elles sont iconiques. Et je vais vous montrer quelques photos de Joël Meyerowitz. Est-ce que vous pouvez dire que sa photographie de rue dans ses premières années ou dans son premier livre, Empire State, est dans le même style que son travail au long cours à Ground Zero ou dans son livre Cape Light Je voudrais vous les montrer. Ground Zero, hein Aftermath, de Joël Meyerlitz. Cape Light. Alors attendez. je crois que c'est ici, Cape Light, pardon si j'écorche le nom du livre, je suis en train d'avoir un affreux doute, je le fais en direct, je ne peux pas vérifier, je crois que c'est Cape Light hein, son livre, donc là tout ça c'est du Joel Meyerowitz, Je suis là. Ces photographies ont peu de choses à voir et pourtant on leur trouve une même sensibilité dans la manière dont elles montrent leur sujet. Le style de photographie, c'est impossible de dire que les photographies d'une époque, d'une période ou d'une autre, d'un projet ou d'un autre de Joël Mirovitz, sont vraiment dans le même style. Le style dont on parle, c'est plutôt un regard, une manière de regarder le monde et de le montrer. C'est bien beau, mais du coup, comment est-ce qu'on développe son style Comment est-ce qu'on développe son style en photographie C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, et je vais vous proposer quatre étapes pour y parvenir. Vous allez voir que dans ces quatre étapes, il y a des choses qui vont être similaires. En tout cas, vous allez voir une récurrence dans l'inspiration que vous allez pouvoir trouver chez d'autres photographes. Première étape, demandez-vous pourquoi est-ce que vous photographiez Pour trouver votre style, il est important de commencer par faire un petit bilan. De votre parcours de photographe, de ce que vous avez fait en photographie jusqu'à présent. Quels sont les sujets que vous avez le plus aimé photographier Quels sont les styles ou les genres photographiques qui vous ont le plus inspiré Ou les photographes qui vous ont le plus inspiré Faites une petite liste de vos centres d'intérêt et commencez à définir ce qui vous passionne en photographie. Qu'est-ce qui fait clic dans votre esprit Qu'est-ce qui attise votre curiosité pourquoi est-ce que vous avez envie de montrer ces choses que vous photographiez Quelles sont les photos qui vous attirent, qui vous aspirent au point de vous passionner, de vous absorber totalement dans la photographie Il doit y avoir une connexion émotionnelle forte. C'est ça le pourquoi. Ce sont les photos qui provoquent chez vous la plus grande des émotions. Ce sont les photos qui font que seulement vous pouvez les prendre, parce que vous avez cette connexion émotionnelle un style photographique, mais la photographie en général doit être radicalement émotionnelle pour pouvoir être personnelle, pour développer votre regard et donc pour trouver votre style. En réalité, vous avez déjà votre style. Vous devez simplement, pour, vous devez simplement comprendre pourquoi est-ce que vous faites des photos. Et vous arrêterez de penser aux moyens de faire ces photos, hein, à la technique, à la composition, hein, qui ne seront que des moyens de vous exprimer. Trouvez votre pourquoi et vous trouverez votre style. Deuxième étape, je vais vous proposer de faire, votre... je vous proposer de faire vos propres expériences. Une fois que vous avez eu une idée de ce qui vous intéresse en photographie, il est temps de sortir de votre zone de confort et de faire vos propres expériences. Essayez de nouvelles techniques, explorez de nouveaux genres photographiques, jouez avec votre appareil. N'hésitez pas non plus à vous faire influencer par d'autres photographes. Mais n'oubliez pas que votre style doit être le reflet de votre personnalité, de votre vision unique de la photographie. À titre personnel, quand j'ai commencé à photographier dans les rues de Paris, je ne voulais voir que du noir et blanc, que du contraste. Et quand j'ai commencé à travailler pour les agences de voyage, la photographie de rue, que je continuais à pratiquer un petit peu partout où j'allais, a commencé à se transformer. Déjà, je voulais travailler en couleur pour mes clients. Mais est-ce que l'on peut dire que les photos qui m'ont fait connaître, les villes désertes, sont dans le même style Absolument pas. Le projet Desert in the City, c'est une expérience. J'ai essayé, je voulais voir si j'arrivais à poser un regard différent sur Paris et puis sur les autres villes quand le projet a commencé à fonctionner. On essaye, on expérimente. Certaines choses fonctionnent, d'autres non. Et puis, par cette recherche, on trouve une idée que l'on veut explorer. Et c'est cette idée qui va vous amener à cette troisième étape. Vous allez choisir des modèles. Pour vous différencier, il va être important d'avoir de la personnalité dans sa photographie parce que ça vous permet de vous démarquer de ceux qui sont venus avant vous et de créer des images uniques et authentiques. Je vais vous proposer de chercher des photographes qui ont développé un style reconnaissable entre tous. Alors j'essaye sur cette chaîne, aujourd'hui Bruce Gilden, et puis parfois d'autres photographes, hein, de vous donner quelques clés avec des photographes, mais qui m'inspirent moins. Mais chaque photographe, chacun de vous, va être différent. Vous devez surtout trouver les photographes qui vous inspirent. Étudier des photographes n'est bien sûr pas pour copier. Simplement pour identifier ce qui vous correspond, ce que vous aimez visuellement. Ensuite, vous allez prendre une de ces inspirations et tracer votre propre chemin. C'est en ajoutant votre petite pierre à l'édifice des photographes qui sont venus avant vous que vous trouverez votre propre voie. À titre personnel, je me cherche toujours un ou une photographe qui m'inspire, principalement selon le projet sur lequel je travaille. En ce moment mon projet qui s'appelle mon nom et personne, j'observe attentivement les photos et les livres photos d'Alexos. Et récemment récemment de certains portraitistes comme Dawood Bey. C'est en découvrant les chemins qu'ont tracés ceux qui sont venus avant vous que l'on que vous pouvez espérer trouver un style qui vous plaît et qui va vous emmener sur votre petit bout de chemin. Et ce petit bout de chemin, vous allez assez vite le comprendre, ça va être cette quatrième et dernière étape qui va être de photographier avec intention. Je vais vous poser une question et posez-vous cette question. Pour qui est-ce que vous photographiez Est-ce que, est que vous photographiez pour un client, pour quelqu'un, ou est-ce que vous photographiez pour vous-même Certains photographes professionnels vous diront qu'une bonne photo est une photo vendue. Mais arrivez de le penser, même de le dire. Quelles que soient les commandes qui se présentent à vous dans votre parcours de photographe, que vous soyez professionnel ou non, hein, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. N'oubliez jamais de photographier d'abord pour vous, y compris quand vous êtes en commande. Mais c'est plus facile dans une commande parce que vous travaillez avec l'intention d'un autre. Vous avez un objectif de communication, vous avez un brief, vous avez des contraintes, vous avez un événement. Mais quand on photographie pour soi, on est un peu seul dans l'univers, on se dit Et maintenant, qu'est-ce que je fais Si euh, votre réponse c'est Vous avez maté la dernière série sur Netflix, ben, je peux vous assurer que votre photographie ne elle, elle va pas progresser. Votre projet personnel ne va pas progresser. A minima, dans ces moments où vous ne savez pas quoi faire, je vous conseillerais d'ouvrir un livre et de vous documenter sur un sujet. Quand vous photographiez pour vous, vous devez décider vous-même de ce que vous allez faire. Et ça peut être un petit peu vertigineux. Je ne sais pas si ça va plaire, mais je vais vous dire quelque chose. Le plus important, c'est que ça vous plaise à vous. C'est pour ça que je vous fais travailler sur votre pourquoi. Commencez par vous demander quels sont les genres photographiques qui vous intéressent pour voir quelles pratiques vous pouvez explorer. Vous pouvez analyser le travail de quelques photographes dans un genre spécifique. Et vous demandez, cette question essentielle, quel est le message principal de leur photographie? De quoi est-ce que ces photos parlent Cherchez un message que vous pourriez faire vôtre. Demandez-vous quel message voudriez faire passer au monde. Et je vais dire un truc, il n'y a pas de petit sujet, il n'y a pas de petit message. Et même si personne ne verra jamais ces photos ou ce projet. C'est ça, photographier avec intention c'est se choisir un message. Et ce message devient notre contrainte pour en faire des photos. Devenez le premier spectateur de vos photos. Trouvez le message qui vous passionne et qui vous ressemble. Et ne vous préoccupez pas des autres, des commentaires qu'on pourra apporter sur vos photographies ou de la manière dont seront reçues vos photos. Ne photographiez pas pour faire des likes. Trouvez son style c'est d'abord se trouver soi-même et trouver le message que l'on veut porter. Je vais vous proposer de conclure cette exploration du style en photographie avec cette phrase de William Klein qui dit ainsi ⁇ Soyez vous-même. Je préfère de beaucoup voir quelque chose, même si c'est maladroit, qui ne ressemble pas au travail de quelqu'un d'autre. Et je vais conclure cette deuxième partie avec cette phrase de William Klein. Merci à vous. Je ne vous ai pas euh, montré de photos. Je voulais enregistrer. Je, je vais être sincère avec vous. J'ai aussi enregistré cette vidéo euh, en meilleure qualité parce que bah, le problème des, des, du stream, c'est que je, la qualité, ce n'est même pas de la HD. C'est 720p. Sans rentrer dans la technique, je voudrais quand même de temps en temps avoir des vidéos. Donc pour préparer ces ateliers en direct, je les tourne en haute définition et puis euh, ailleurs que sur ce bureau que je commence à. On beaucoup des vidéos avec ce bureau, donc euh, pour varier un petit peu, euh... bon, je suis resté dans le bureau, mais avec un autre angle, on va dire. Je suis allé sur le canapé. Et je ne vous ai pas montré de photos, ah, c'est dommage. Alors, déjà, euh, je vais vous montrer meilleur vite un petit peu. Non, je vais passer vite, hein, mais. Euh... Si vous avez des questions, préparez vos questions sur le style en photographie. Après, je vous ai donné une lecture du style, on pourrait en faire d'autres, hein. Mais euh, c'est une approche où là, je crois que c'est une approche qui euh, peut-être je vais un peu vite là quand même. C'est une approche qui je trouvais euh, correspondait bien à, à photographier qui vous êtes de Bruce Gilden que je, que je reprends à mon compte pff, toutes mes formations et, hein, et donc euh, alors, trouver votre pourquoi quoi, c'est vraiment euh, c'est vraiment essentiel. Et pour vous rendre compte que en réalité été un style, on l'adopte pour un projet. Hein, et euh, les grandes carrières de photographes vous voyez, qui passent d'un projet à l'autre, qui passent d'une histoire à l'autre, d'une période à l'autre, et que voilà, le style c'est celui qu'ils adoptent pour raconter quelque chose d'abord. Salut Nicolas sur YouTube, Christian qui dit J'adore la confusion de Willem Klein, ouais, je, je l'aime beaucoup également. Salut Stéphane sur Facebook. Merci Nicolas, c'est bien Caplight. Salut Slim, bienvenue. j'ai parlé de toi un petit peu au début. De ceux qui ont. Alors les amis, sur... si vous êtes sur Facebook, un tonnerre d'applaudissements pour Slim Zreli, Géraldine, si tu es là aussi, parce que tous les deux, c'était eux dans l'atelier qui, l atelier à Paris, qui ont fait du flash à un mètre. Et Slim a sorti quelques portraits étonnants vraiment. Alors parfois demandant la permission. Et puis parfois sans en a demandé. Mais euh, on s'est bien marré hein, dans les rues de Paris. Les prochains ateliers, j'en profite, sont à, à Lyon et à Marseille. La date de Paris aussi est prévue, c'est en juin, mais euh, Lyon et Marseille, ça arrive plus vite. Et, et, et c'est bien rempli. Enfin, hein, euh, euh, ça se remplit bien, on va dire. Donc tardez pas trop si vous y songez, parce que, à mon avis, euh, début janvier, on, on sera plein sur, les, sur Marseille et Lyon. Bah c'est grâce à moi non c'est toi qui as pris ton courage à la main slim mais euh, je, je, je trouve génial quand on connaît ta photographie slim je, je, je la connais depuis un moment euh, de voir que ça t'a amené t'as pas eu peur d'aller découvrir de, de nouveaux territoires et tu t'as fait ça vachement bien je trouve donc euh, c'est hyper intéressant euh, partage ton compte instagram slim euh, parce que tu as tes, tes portraits qui sont flash euh, slim est sur facebook si vous voulez euh, trouver l'instagram je, 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 si tu partages le lien je pourrais dire pour ceux qui sont sur, sur youtube et puis j'en profiterai pour analyser ces photos. Bah voilà, ce sera l'occasion, puisque personne n'a partagé le lien. Hein. Je vous montrerai les photos de Slim. Sans faire une lecture de portfolio, je, ce sera l'occasion. Et alors, attendez, je voulais vous montrer aussi. Euh, pff, attendez. Excusez-moi, je reviens là. et Je voulais vous montrer. Oh, j'en avais préparé plein, des photographes, avec des styles différents. Je voulais vous montrer. Euh, J'avais Bicke de Porter. C'est très différent. Hein. J'avais aussi Todd Ido. J'avais aussi Gideon Mendel. Hmm. C'est difficile... En sur... Gideon Meldon, je vais le pro proposer sur d'autres... Euh, un une autre petite fabrique de photographie. Mais euh, Si je vous montre Todd Ido, il y a vraiment un style, quel que soit le genre qui pratique. <laughs> en tout cas, il y a une sensibilité, il y a un regard. Mais si vous regardez euh, Todd Ido, ah bah, je vais vous le montrer, hein, c'est mieux plutôt que d'en parler. C'est vraiment... Euh, bah, là, il y a House Hunting, qui est un livre extraordinaire, une série extraordinaire, mais euh, je veux dire c'est difficile de dire que les portraits de, de Todido sont euh... enfin voilà c'est pas le même style pourtant il y a une sensibilité il y a un regard hein, et c'est pas étonnant de, de lui quand on connaît un peu Todido de le faire voir ce type de portrait ce type de nuit. il fait beaucoup de nuits. j'espère que je les ai pas dans, dans le slideshow et que je vais pas être censuré par YouTube ou par Facebook surtout je, je vais pas tout vous montrer de Todido faut que je choisisse ouais. Ah, donc, je voulais vous montrer toi, Dilo aussi, pour parler de style. Quelle énergie. Tu, tu parles de moi, là voilà, Ouais, hein Et je vais vous dire ça, en plus, euh, ma fille euh, a eu euh, une otite cette nuit. Je crois que j'ai dormi deux heures et demie. <laughs> ah, je suis dans un état... Il fait une chaleur. Alors, vous vous en rendez pas compte. Je le dis euh, tout le temps, hein, je crois, à chaque fois. <laughs> mais je... c'est un commentaire. Faut que je, vous... je suis en eau. Mais c'est-à-dire que là... Si je fais ça sur mon t-shirt, j'ai des gouttes de sueur qui tombent. Et je pense que je perds un litre à chaque euh, petite fabrique de photographie. Alors on, on arrive dans des températures. Euh, petit commentaire sur le setup. On, on m'a fait un commentaire où, où euh, ici là la, 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 la lumière qui arrivait par la fenêtre était trop présente aussi près de mon visage. Donc j'ai inversé la fenêtre. Malheureusement ça fait un aplat violet. Je ne peux pas faire autrement. Mais... Ou alors sinon je baisse le store complètement, mais là vraiment ça, ça ferait très sombre dans la pièce. Quoi. Donc j'ai choisi ce setup là où j'ai mis plus de lumière, j'ai mis plus de, je pense que c'est mieux là quand même, c'est plus agréable à regarder. 17 à surveiller, 18 maintenant. Oh c'est dans les standards, hein. c'est dans les standards. Merci en tout cas Mickel. Et les amis on est on est à 1350 sur YouTube. Ah, ça a grandi très très vite depuis deux jours. J'ai une vidéo qui a explosé, là. Celle de dimanche, c'est... Et quand YouTube est content, quand, quand l'algorithme est content, en réalité, ce que j'aime bien dans, dans les gens qui analysent l'algorithme, c'est qu'il faut remplacer algorithme par audience. En fait, ça veut dire que les gens sont contents, donc YouTube la propose à beaucoup de monde. Ça me fait vachement plaisir parce que j'ai une petite chaîne YouTube et, euh, et la vidéo est, est vue euh, comme si j'étais une grosse chaîne YouTube. Donc ça me fait vraiment plaisir de d'avoir ça et euh, voilà d'avoir une vidéo qui décolle donc euh, donc c'est euh, voilà je suis content c'est en train de en train de prendre youtube donc euh, enfin prendre après le but c'est moi je fais pas ça pour la stat mais j'essaye de faire que mon contenu soit le plus intéressant possible et le mieux formaté possible pour que ça intéresse quand même des gens donc euh, c'est pas simple hein, d'avoir des techniques d'édition et de, et de présentation et des manières de monter qui fait que les gens restent mais en parlant des bah, les choses dont je parle qui ne sont pas euh, très communes quoi on va dire je suis sur des sujets qui sont euh, pas à la marge mais on va dire euh, pas très commun donc euh, votre énergie pour communiquer à votre passion hein. ben ouais, j'ai une passion alors Bose Gilden, ouais ça me passionne vraiment et, euh, mais pour la photographie en général je, je... Moi, je pense que je le ferai une fois dans la petite travail de photographie. C'est-à-dire que quand je me mets à parler de photographie ou quand je monte des photographies qui, qui me touchent, quand je vous parle d'émotion, c'est un vrai truc. Hein. Moi, je peux me mettre dans les états sur les photos que j'aime et pas que les miennes, hein, de n'importe quel photographe que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je vous parle des grands photographes. C'est parce que moi, leurs photos me mettent dans les états. Ma euh, Bose Gilden, son travail en Haïti, mais ça, ça me bouleverse à un point. Alors en plus, c'est des, des photos qui me rappellent, qui sont très. Euh, proche de, d'ambiance de, de, que je peux voir au Brésil, enfin en tout cas dans la région du Brésil dans laquelle, dans laquelle je vis, à Salvador, à Bahia. Hein, il y a des énergies très similaires avec euh, Cartagena en Colombie, avec Haïti, avec euh, le sud du Mexique ou euh, les pays tropicaux. Hein, donc, euh, voilà. Et puis avec euh, peuplé par beaucoup d'esclaves qui sont venus d'Afrique il, il, il y a 400 ans, donc hein, on est même type de personnage. Donc voilà, forcément, ça me, ça, bah voilà, ce sont des... Et, et le travail qu'il a fait en Haïti, mais moi, voilà, ça me bouleverse. Donc quand je vous parle d'émotion, moi, c'est vraiment... Ça me, ça me... Mais c'est ça que je cherche. Je veux dire, euh, après, euh, je sais que ça ne pourra pas plaire à tout le monde. Les vidéos que je fais, ou euh, les photographes dont je parle, ou la manière dont je parle de, de ce dont je parle, je commence à avoir des, des gens qui me descendent. <laughs> mais voilà, mais bon, euh, moi, je prends ça comme un bon signe. Hein, c'est que ça commence à être vu par pas mal de monde. Mais voilà, je, je, le, mon émotion, elle n'est pas feinte, quoi. Je, je, moi, je, je, vraiment, ça, ça me bouleverse parfois. Hein. Donc, euh, merci beaucoup, Séverine. Eh bah, bien, euh, on va conclure en regardant les photos de Slim. Je ne sais pas si tu es encore là, Slim. Si tu n'as pas partagé ton compte Instagram, atfujislim, ah bah si. Tu es encore là, Slim. Eh bah, ben, on va regarder ton, ton compte Instagram, c'est chouette. Alors, attendez, je le prépare. Puis, bah, je vais vous montrer. Je vais vous montrer du flash à un mètre pris dans les ateliers à, pa à, à, à Paris, l'atelier de photographie que je fais. Alors, deux fois par an, on va dire, à Paris. L'année prochaine, en tout cas, le premier c'est juin, Alors, le deuxième c'est novembre. Ça dépend, on verra l'année prochaine. Hein. C'est difficile d'être de, de, catégorique, mais en tout cas, le prochain c'est en juin. Merci Antoine, Et bon, ça me fait plaisir parce que, parce que ben, voilà, j'ai des beaux commentaires sont pas orientés full techno ah bah elles sont orientées même zéro techno <laughs> alors enfin pour l'instant j'ai pas parlé de techno quoi j'ai parlé de développement donc j'ai parlé d'un logiciel mais bon j'ai essayé de vous en parler d'une manière à ma manière en et euh, donc je ne sais pas si ça fait la différence mais euh, enfin voilà on n'est pas beaucoup donc, euh, on n'est pas beaucoup euh... Apprendre ce, cette, cette manière. -là. Il y en a quelques-uns. J'en trouve maintenant hein, des photographes, des, des youtubeurs que, que je connaissais pas du tout, voilà, qui font ça bien. Après, ils le font à leur manière. Et puis, euh, mais, mais enfin, il y en a qui, qui, qui parlent pas technique et qui sont euh, voilà, qui sont intéressants. Moi, je. je hein. Salut Christian de la région de Toulouse. Donc alors, j'étais sur euh, Instagram.com/fujislim. Leiko sur YouTube, j'aime beaucoup ce que tu fais. Alors, euh, bah, ça me fait super plaisir. Et moi, je veux bien. Hein. Euh, toutes les semaines, on se fait un, je me fais un gros boost de, de confiance en moi. <laughs> ça va me faire vachement de bien. <laughs> non, mais ça me fait plaisir. Ça, non, mais très sincèrement, ça me touche. Mais enfin, je vais vous dire, moi, je, je, enfin, moi, je suis sorti de ma zone de confort pour aller sur YouTube et pour faire reprendre la petite fabrique de photographie. C'est vraiment un truc c'est dur quoi c'est vachement de boulot les éditions, ça me prend un temps fou voilà donc moi même j'espère que ça va grandir j'en ai besoin moi, pour mon activité professionnelle mais, mais c'est vraiment enfin d'avoir des gens qui sont touchés par ça c'est hyper important pour moi quoi c'est à dire que c'est c'est euh... je pense que c'est la bonne c'est une manière intéressante de procéder mais je le fais d'abord pour vous quoi donc euh, voilà, je, je, ça me touche vachement. Alors Fuji Slim, Slim Zredi, qui était donc à l'atelier à Paris en novembre. Si vous voulez voir mes ateliers, mes voyages photos, vera.news. Et vous avez euh, tous les ateliers et les deux voyages photos. Pour l'instant, j'espère pouvoir en proposer d'autres, mais pour l'instant, j'en ai que deux, qui sont à New York et Chicago. Donc, si vous êtes déjà venu à New York, eh, venez à Chicago. Parce vous êtes quelques uns à être venus à New York maintenant. Et puis, euh, si vous n'avez jamais fait le voyage à New York, si vous avez... même si vous avez déjà voyagé à New York, je vous garantis que vous n'avez jamais vu New York, comme je vous le montre. Bon, je pense. Il y a... Enfin, voilà, c'est un voyage. Pour ceux qui l'ont fait, vous pouvez le mettre dans les commentaires. C est, c est un... On passe à un moment assez génial. Quoi. Donc, euh... Et puis, je vous montre un... un New York. On fait quelques grands classiques, mais on sort des sentiers battus aussi. Allez, c'est parti. Les photos de Slim Zradi au flash à 1 mètre. Euh, souvent, dans la permission, je suis pas sûr que ce soit tout le temps. Tu peux nous le dire en commentaire sur euh, sur Facebook euh, Slim, si tu veux. Ah moi, je, bon, bah, je, je les connais déjà ces photos, mais je les trouve super intéressantes et. Euh, enfin, je veux dire, vous arrivez sur des portraits comme ça. Bah voilà, on, on, on parlait de trouver un style. Bah, voilà, là, Slim, bah, c est, c est, tout de suite, ça se démarre quoi. Donc euh, Hein, quand on, 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 prend, on sort des sentiers battus, c'est ça que je vous disais. On trouve une manière radicale de faire des photos. Et on explore, on essaye. Il, ce qu'il a fait, Slim, il a essayé. Donc voilà, après, euh, ouais, je, moi, c'est intéressant. Moi, c'est pas comme ça que j'aurais procédé, évidemment. Mais euh, il l'a fait à sa manière. Hein. Il, il a amené sa petite pierre à l'édifice. Et donc, il l'a fait de telle manière que ça fait des grands aplats noirs, comme ça, hein, sur, sur l'arrière-plan. C'était peut-être la fin de journée, mais... Euh, voilà, c'est étonnant. Hein. Moi, je... J'en suis à me demander si cette photo, elle ne serait pas mieux en 4/5e plutôt qu'en carré, parce que là, je me dis qu'il y a une grosse zone quand même. My Two Sense, à voir, hein, je ne sais pas, il faudrait peut-être essayer. Euh, ça, moi, j'adore. Super. Regardez le flash, comment il arrive. Alors, c'est intéressant d'apprendre les éclairages. Hein, quand on travaille au flash, en studio, ou même quand on est au flash dans, dans la rue, c'est les mêmes principes. Hein. Donc, vous avez l'éclairage loop. L'éclairage loop, c'est hein, vous êtes au-dessus de la tête, 45 C'est comme si vous aviez euh, le flash déporté, vous le mettez vraiment au-dessus de la personne et vous êtes en face de la personne. C'est un tout petit peu ce qu'a fait Slim. Mais Slim, il s'est mis légèrement décalé. D'accord Et donc là, il n'est pas sur un loop. Il est plus sur. On est, bah, on est quasiment. Enfin, quasiment. Si. Hein. Ça, c'est un éclairage pas complètement. Hein, ce qu'on appelle un Rembrandt. Il faudrait que ça fasse un triangle en fait ici. Vous, vous, vous la voyez la zone avec la souris ici là. Voilà. Ce serait un vrai éclairage Rembrandt euh, qu'on peut faire au flash ou euh, si vous avez du soleil euh, vous pouvez faire ça. Euh, hein, si vous avez un triangle ici uniquement. Regardez la manière dans les peintures de Rembrandt comment est-ce que c'est éclairé. Vous avez un article sur mon blog qui parle de ça. Hein, Geneverobardi.com euh, sur mon blog ou cherchez euh, éclairage Rembrandt Génaro. Même sans Génaro, je pense que vous me trouvez. En photographie, de portrait. Et donc, voilà, euh, ah, c'est intéressant de les connaître, ces types d'éclairage. Et donc, ah, c est, c est, ça, ça donne une dynamique à la photo. Hein, c'est intéressant. Et il a une bonne attitude. Alors, on ne voit pas ses yeux, donc euh, ça donne un côté. Euh, mais, euh, ah, super, super cadrage. C'est beau. Hein. Et regardez, regardez ce regard, là, de Biel. Je me rends compte que j'ai déjà analysé ces photos parce que quand on fait un, un atelier euh, à Paris, bah, 15 jours plus tard, j'analyse les photos des personnes qui ont participé à l'atelier. Et donc, euh, bah, là, là, pour le coup, le carré, je le trouve très justifié parce qu'on a, on a plus de contexte derrière, on comprend mieux ce qui se passe. On a cette fin de journée. Bon, moi, j'aurais viré les, les petits branchages là, juste parce que ça ne ferme pas vraiment la photo, ça attire un tout petit peu l'œil et ça n'a pas besoin. Voilà, personnellement, moi j'aurais effacé des trucs. La photo est bonne même sans, sans les effacer. Voilà, ce regard comme ça en haut, super. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle a regardé Est-ce qu'elle a regardé le flash Probablement. Mais c'est super. C'est voilà, une belle photo. Très belle. Il n'y a rien à dire. Hein. Regarde Lionel, quand les photos sont belles. Il n'y a rien à dire. Alors là, je suis moins je suis moins client du... Euh, en fait, de la scène. Parce que ça, pour moi, c'est pour moi avec toute ma subjectivité c'est vachement une réaction au photographe et du coup bah ça me plonge moins dans le personnage et plutôt dans ce euh, je rigole parce que je suis pris en photo quoi et du coup bah moi c'est une émotion c'est un sentiment qui m'intéresse moins bon, cas, parce que je trouve c'est une émotion un petit peu plus euh, banale c'est pas une photo banale hein, mais euh, hein, j'essaie de, de juger de la, de la qualité de la scène de ce qu'il et puis bon, là, comme elle est ah, parfois les yeux fermés, ça fonctionne. Mais là, moi, je vois la réaction photographe. Je me trompe peut-être, hein, euh, Slim. À toi de nous dire. Après, il y a quelqu'un derrière là, ça chevauche un peu et on voit pas grand-chose, un, un bout d'oreille. Voilà, donc, je, je suis moins, je suis moins convaincu par, la, la, par ce portrait à cause de la scène. Voilà, qu'est-ce que je pouvais dire Là, super. Donc ça, c'est une étude beaucoup plus neutre, regard photographe. Hein, vous, alors, vous le voyez, là, on est plus sur un loop. Vous voyez le loop, c'est quand l'ombre fait un, un petit. Euh, hein comme ça. Si c'était radicalement au-dessus de la tête, ça ferait un petit loop, mais au niveau du nez. D'accord On appelle ça un papillon, butterfly, comme éclairage. Et là, on est sur un loop. Bon, si je dis des énormes conneries, reprenez-moi dans les commentaires. Hein. Je... Enfin, je ne suis pas un, un immense spécialiste, hein. Elle a répondu, à ma blague. Eh ben voilà, tu vois. Je ne suis pas surpris, Slim. C'est Slim qui. Pour ceux qui sont sur YouTube, c'est Slim qui me répond, qui répond dans les commentaires sur Facebook. Je vais y aller à New York, annulé dix jours avant, pendant le Covid. Ah ça, c'est pas de peau, hein. bah, Il faut y retourner. Viens avec nous, on se marre bien. Hein. Puis on fait des photos. Hein. Et on progresse. Salut du Québec, Denis. Euh... Ça me fait plaisir sur YouTube, c'est plus cosmopolite. Enfin, c'est plus euh... il y a des gens. Enfin, ouais parce que euh, Facebook c'est beaucoup les sabdolone <laughs> Je sais pas ce qui s'est passé au Sabdolons, mais il y a un truc. Je pense c'est Patricia Ragono. Euh... Alors celle-là, je la sens plus prise sur le vif, mais je suis un aussi quand même beaucoup dans la réaction photographe. Et je suis un peu sur un, sur un truc un peu pincé, dans le, dans le les yeux, la bouche, quand on n'a pas les mains, c'est hein, l'expression du visage. Quoi. Donc là, tous les détails sont importants. Hein. Mais, euh, mais j'aime bien ce côté euh, photo en passant, avec une vitesse lente, quoi avec le flash qui, pff, qui garde quand même quelque chose. Ouais, super. Non, c'est une bonne photo. Mais, euh... Vous avez vu, en deux jours, en deux, en deux après-midi, ce n'est pas, pas facile d'en avoir beaucoup des bonnes. Hein. Mais euh, là, Slim, on a, a quelques-unes. Hein. Donc euh, Bravo. Ouais, les amis, pour le commentaire, je n'ai pas fait un, une lecture de portfolio, hein, Slim, mais euh, parce que si je descends un peu, euh, on change de style. <laughs> c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, donc là, c'est de la photographie. Euh, ouais. Mais, je, je, euh, enfin, ça intéresse. Suivez Slim sur Instagram. Déjà, par principe, parce que euh, hein, c'est la grande camaraderie, de la petite fabrique de photographie, on va suivre ceux dont je parle et je commente les photos. Hein, donc, euh, Instagram.com, Fujislim. Tu as un, un tonnerre de likes et de, et de, et de nouveaux suiveurs. Et, mais quel que soit le genre que pratique Slim, on se connaît depuis un moment, euh, bah, c'est-à-dire que tu, y, euh, Slim pousse. La pratique de la photo à, à, des, à, des, à des niveaux, euh, je trouve assez intéressant quoi. C'est vraiment euh, après, euh, je, je maintenant je bah, je le sais donc je sais pas si c'est une analyse de son portfolio mais voilà, Slim n'est pas professionnel donc euh, il a pas besoin d'avoir la cohérence ou de chercher euh, avoir un, un, un compte Instagram qui lui amène des clients ou qui euh... mais euh, regardez, baladez-vous un peu sur son sur son ouais, c'est euh, quand il fait de l'archi à, à New York justement. C'est comme ça qu'on s'est connu par un ami commun. Photographie à New York, on fait des photographies très différentes à New York, mais ah, c'est euh, assez euh, intéressant. Il y a des choses, quoi. Voilà, allez, regardez, FujiSlim sur Instagram. Hein Moi, même si la petite femme de photographie amène une quinzaine ou une vingtaine de nouveaux euh, followers, bah, c'est quand même sympathique. Et, et j'ai réussi à ne pas faire une heure et demie, les amis. C'est quand même pas mal. Merci Stéphane. C'était la petite fabrique de photographie numéro 9. La semaine prochaine, relâche, les amis. Mais euh, le numéro est déjà quasiment écrit, j'en ai écrit quelques-unes d'avance. Donc on se retrouve dans 15 jours, en 2023, la petite fabrique de photographie numéro 10, et ce sera toujours à 20h le mercredi. Donc euh, partagez cet atelier. Si vous n'êtes pas sûr que les ateliers, pour vos copains photographes, ce soit la meilleure chose, J'en fais des vidéos qui sont beaucoup plus courtes pour la plupart. Partagez les vidéos de la chaîne YouTube. Franchement, voilà. Je, je, ça m'aide, quoi. Donc, euh, je, je continue à travailler, Slim. Mais merci. Je ne vais pas prendre de vacances, mais. Mais en tout cas, allons-15 jours. Passez de bonnes fêtes, les amis. J'ai pas mis mon bonnet de Noël cette année. Merci Nadine. Donc, euh, mais euh, passez de bonnes fêtes. Prenez soin de vous, et puis, euh... et puis euh, à la prochaine fois, toujours depuis Salvador, au Brésil. C'était Gennaro Bardi, depuis la petite fabrique de photographie. Je vous dis à dans 15 jours, ciao les amis.